RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, l'actualité s'emballe, tout va toujours plus vite. Oui, nous vivons dans une spirale insensée où seul Michel Drucker a une vie stable. Il digère sur son canapé à la télé à côté d'un chien et en a déjà épuisé 30. Ouais. Tout va vite. En 2 ans, Valérie Trierweiler est passée de première dame à bienfaitrice pour enfants, tel le Père Noël mais avec moins de barbe, puis écrivain. Dans 15 jours, elle sera peut-être bouchère et fera avec des bœufs ce qu'elle a fait avec Hollande, du tartare. Dans ce Capharnaüm, seule votre voix grave de Panda Kakoshim, Bernard, nous apaise. On se dit que vous, qui avez fait vivre à l'antenne la guerre de Crimée, 14-18, l'Indochine et la sortie de l'album Génération Goldman 2, êtes comme un phare dans la nuit. Cette bâtisse sur laquelle Kersauzon s'encastre envoyé quand il a sifflé tout le chouchen de sa tante. Alors, exemple de cette folie, le secrétaire d'État au commerce extérieur, un inconnu, un Thomas Thévenoud, aura travaillé 9 jours. En comparaison, il en faut 10 à Franck Provost pour réaliser la coiffure de Bernadette Chirac. Embauché le 26 août, il est reparti ce jeudi. Là, son employeur Adeco l'a envoyé faire les vendanges en Alsace. Ensuite, il attaque la saison de ski en tant que moniteur. Alors, Valls a dit à Thévenoud, merci pour ce moment. Et Thévenoud s'en est allé honteux, comme un chat qui louche qu'on surprendrait à faire à côté de sa litière et qu'on gronderait. Bon, Thévenoud avait omis de déclarer ses revenus sur 3 ans. C'est bête. Hein. Sans doute n'arrivait-il pas à remplir le formulaire, une sorte de Zezette épouse X, mais avec moins de style. Le souci est qu'il était engagé contre la fraude fiscale. Salut. Alors, c'est comme si Nadine de Rothschild était prise à manger une flamencuche avec 2 doigts. Hein, on est aussi surpris que si on voyait André 23 discuter en slip avec Marc Dorcel. Par qui Thomas Thévenoud a-t-il été remplacé alors du coup? Eh bien, par Mathias Fekl. Hein, ils usent tellement de ministres que Valls en a congelé plusieurs dans un grand frigo. Hein, tous les 9 jours, il en passe un au micro-ondes qui finit de sécher dans son bureau. Alors, étant donné que Fekl a sûrement oublié de régler sa redevance télé et qu'il ne paye plus le gaz depuis 15 ans, sauf dans son château en Suisse, dans 9 jours, c'est plié. Donc le 14, on change. Hein, Jean-Yves Martin et René Sanchez, d'autres inconnus, hein, sont dans les starting blocks. Moi, je quitte jamais mon téléphone parce qu'à un moment, ils auront usé tous les socialistes. Oui. Hein. Donc c'est comme la valise RTL, Valls peut appeler n'importe qui pour proposer le job. Alors à noter que la Miss Météo de Canal+, Raphaël oui. Dupire, elle a renoncé. Elle porte un nom qui donnait envie de lui faire confiance. Hein. Arrête, elle aussi, elle a tenu 15 jours. Donc une carrière politique, c'est 9 jours. Une carrière télé, 2 semaines. Hein, on est calé sur l'espérance de vie de la Sierra Leone, hein, qui est de 47 ans, donc faut aller vite. Hein, je conseillerais donc à Valérie Quintin de prendre contact avec Canal+, si elle souhaite un contrat de 12 jours. Alors, le poste est basique. Hein, il faut juste sourire et sortir des vannes. Hein, comme Thomas Thévenoud, qui en juin 2013 déclarait « La lutte contre la fraude fiscale est devenue aujourd'hui l'enjeu majeur. » Excellent. Allez, salut l'artiste. Ah, excellent. Bonjour. Bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir Bonjour fait. Bernard. Bonjour. Et vous revenez dans une heure, sans Ça faute. Un autre oui. sujet. Oui, non, j'ai été troublé par quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Tanguy Pastureau en vidéo, c'est sur RTL.fr. Absolument, parce qu'on peut en plus le voir sur RTL.fr. Bon.